Le Narcos restaurant latino est un nouveau concept sur la ville d'Agadir qui va voir le jour, inch'Allah, dans 10 jours. C'est vrai qu'on a investi, on a instauré ce concept dans une conjoncture qui est très 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 difficile. La ville d'Agadir souffre un tout petit peu côté touristique. Mais quand même, on a pris une aventure pour innover, pour ramener une certaine clientèle locale. Et pourquoi ne pas intéresser les étrangers et tous les expatriés qui sont sur la ville? Tout le monde était réticent à l'idée d'avoir des restaurants parce que la plupart des restaurateurs se plaignent du all-inclusif et tout. Mais l'emplacement du restaurant sur l'avenue Hassan II nous a encouragés vraiment à désenclaver, soi-disant, le quartier touristique. Parce que la plupart des gens, parfois à l'été, il y a l'embouteillage, il y a des problèmes. Il y a une grande concentration sur la corniche. Donc on a eu l'idée de ramener notre clientèle surtout locale, primo, et touristes nationaux, ainsi que quelques touristes étrangers, si on a la chance de les avoir, de les ramener à découvrir l'autre partie qui est le centre-ville. Si la région est instable, ça ne peut être que bénéfique, ça ne peut avoir que des retombées positives sur la ville, ne serait-ce que développer une réaction positive vis-à-vis de tous les participants, comme quoi la ville ou la région de Sousmessa est présente en force, pas comme les anciennes éditions. Donc on va être plus visible, primo. Secondo, nous, en tant que petit acteur touristique, si on fait notre présence, c'est pour tisser des relations avec les locaux, parce qu'il y aura tous les Marocains qui seront présents. Donc nous allons essayer de nous faire connaître et aussi montrer aux participants qu'il y a une diversité au Maroc. Au Maroc, ou surtout à Agadir, il y a de l'espagnol, il y a du latino, il y a du marocain, du berbère, des trucs exotiques, et qu'on suit le mouvement. Et on ne se positionne pas juste sur tout ce qui est typique, berbère, que les gens ils peuvent venir et découvrir une culture d'autres pays, mais tout en profitant du soleil marocain, et de la stabilité surtout d'Agadir. Pour notre positionnement, nous sommes positionnés sur une clientèle qui se plaint beaucoup sur Agadir et qui dit qu'il n'a pas d'endroit où partir ou les endroits où ils partent, ils sont très limités, voire 2 ou 3 emplacements. Donc, on a essayé de nous diversifier par le type de bouffe. Le type de bouffe, c'est sud-américain, qui n'existe pas sur Agadir, c'est des chili con carne, c'est une autre culture. Tout en l'associant avec un tout petit peu du marocain. Et l'ambiance, il sera vraiment l'ambiance latino. Nous proposons un voyage une fois que tu rentres chez nous. Le narcos, c'est une thématique latine, latino-américaine, où les gens ils peuvent se découvrir, être presque en famille. Ah, si nous avons investi, si on a injecté tout cet argent, et ça nous a coûté vraiment, c'est un grand investissement, c'est qu'on y croit vraiment. On y croit vraiment au potentiel de la ville, on espère que ça va bouger. Et des salons ou des meetings pareils, donc ils ne peuvent être que bénéfiques pour la ville et pour tout le monde. Alhamdoulilah, on est très optimiste. Non, on a essentiellement essayé de chercher des profils sur la région. Jusqu'à maintenant, l'effectif est de 25 personnes, tous de la région, parce qu'on croit au potentiel de la région. Bien sûr, pour compléter le comble ou le vide de formation, nous avons fait appel à des professionnels qui ont fait des sessions de formation, des sessions de formation pour l'ensemble du personnel, que ce soit dans le service, dans la cuisine ou dans tout ce qui est aspect sécuritaire. Mais le plus important, c'est d'avoir des gens de la région, premièrement. Parce qu'on est de la région. C'est pas la peine de chercher ailleurs si on a ce qu'il faut ici. Moi, je suis très marocain de tout ce qui est produit. Donc, Benz, c'est une band marocaine qui fait jouer des mélodies latines. Et parce que, surtout côté artistique, les gens qui peuvent être à l'écoute de notre clientèle qui sera probablement plus marocaine que étrangère. Donc ils sont à l'écoute de notre clientèle, ils peuvent la satisfaire. Et ils savent surtout le goût de la mentalité. On espère avoir de temps en temps
une collaboration avec des artistes internationaux. Ça va pour les deux sens, que ce soit pour la renommée de notre restaurant et aussi pour faire une coopération avec les artistes locaux.